Il vous souviendra que le 20 octobre 2022, notre pays a vécu une journée de violence qui a entraîné mort d'homme, destruction des biens, incendies volontaires et autres. À la suite de ces événements malheureux, le président de la République, le Premier ministre ont annoncé donc plusieurs mesures afin de rétablir l'ordre et de la sécurité. En effet, une marche qui se voulait pacifique a dégénéré donc en violence et en traite. Face à l'ampleur des événements, le ministère de la Justice et des Droits Humains a ordonné l'ouverture des enquêtes dans les villes de N'Djamena, Moundou, Doba et Koumra. Par deux arrêtés successifs, numéro 348 et 349, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a ouvert des enquêtes et réquis les magistrats des parquets et d'instruction des villes citées à l'effet d'auditionner et de poursuivre toutes les personnes civiles ou militaires impliquées. À la suite donc de cette enquête, les personnes impliquées seront donc auditionnées et poursuivies devant les tribunaux. Donc en ce moment, les parquets généraux donc des cours d'appel de N'Djamena, de Moundou et de Sar ont été instruits pour que ces enquêtes se déroulent le plus rapidement possible, pour que les personnes concernées soient déférées devant les juridictions concernées et que des décisions exemplaires soient prises à l'encontre donc des personnes impliquées.